extrêmement important pour le gouvernement. Parce que comme vous le savez, le gouvernement a le devoir de redevabilité. Nous utilisons beaucoup de ressources. Il est important que pour notre peuple, pour notre population, que les gens voient ce que nous faisons avec les moyens qui sont mis à notre disposition. Dans ce sens, la CAPEJ nous permet d'agréger, d'analyser les résultats de l'action gouvernementale à travers les rapports d'analyse semestriels et annuels. En plus de cela, cette institution permet aussi de faire des études d'impact. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de produire des résultats, mais il faut aussi savoir qu'est-ce que les populations pensent de ces résultats. Et en ce sens, donc, la CAPEJ produit ces études d'impact qui sont extrêmement importantes. De même, pour l'histoire, nous avons une documentation riche. D'année en année, les rapports d'action gouvernementale sont archivés. Et également, à la fin de chaque quinquennat, il y a un rapport de l'action gouvernementale pour le quinquennat et à la fin de la décennie, le rapport de l'action gouvernementale pour la décennie, qui peuvent inspirer les chercheurs, les étudiants qui sont en train de préparer les mémoires et les thèses. Toutes choses qui n'existaient pas avant. Donc, par rapport à cela, au niveau du cabinet du Premier ministre, nous avons veillé à ce que la CAPEJ soit doté des moyens de travail adéquats. Vous avez vu tous les experts qui sont là. Aujourd'hui, nous venons de les doter d'ordinateurs individuels, mais également par la suite, d'autres moyens d'action seront déployés en faveur de la CAPEJ. Merci beaucoup.